I get misty just holding your hand. Bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode sous la pluie. Aujourd'hui je suis au Luxembourg et je suis super content parce qu'aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir avec moi une partie du rallye de Drive de Luxe ici au Luxembourg auquel on va aller en Champagne. Donc un bon petit road trip nous attend durant tout le week-end. Mais moi sans plus tarder, ce que je vous propose c'est de découvrir avec moi la voiture que je vais utiliser ce week-end. Elle est juste derrière moi. Ma voiture pour ce week-end sera celle-ci, le GL63 AMG. Allez, sans plus tarder, je vais vous inviter donc à découvrir avec moi les voitures de ce rallye. Donc si vous voulez suivre Drive de Luxe, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Donc là on retrouve la magnifique McLaren 720S de l'organisateur qui est Tom. Une très 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 belle voiture avec une config absolument unique au monde, un intérieur MSO et des pièces Novitec qui ont été rajoutées tout en carbone. Autant vous dire que c'est vraiment la guerre. Bref, je ne vous ferai pas la présentation complète de la voiture, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès que la météo me le permettra, je vous la présenterai. Une petite Porsche Boxster. Ici, on a une Porsche Panamera 4S avec de très 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 belles jantes aux aides, un très beau covering, une très très belle BMW avec une très belle couleur. Regardez-moi l'intérieur. On retrouve ici une très très belle Jaguar XK-RS, absolument magnifique, couleur blanche, qui fait un bruit de l'enfer. Toujours dans la team Drive Deluxe, on retrouve cette magnifique Huracan Performante avec une petite déco sur laquelle on a ressouligné avec des petites bandes noires, très jolie, et un très très beau vert. Et on retrouve aussi en participant cette très très belle Lamborghini Aventador. Ah, j'ai l'accent italien qui se met à chanter, qui est avec nous. Donc il s'agit de la voiture de la concession de Lamborghini Luxembourg. Ça va? Ça va et toi? Super. Allez, on arrive. Les aléas quand tu roules en convoi, c'est que des fois tu te trompes de chemin, tu vois. Et moi je suis avec un espèce de mammouth, frérot. Ah, regarde ça. Oh, ça marche. Bon, on vient juste de passer la frontière française. Petit road trip bien sympatoche, sous belle escorte. Ça fait plaisir de voir à la fois des petites anglaises, des petites italiennes, des petites allemandes. Nous, on est au calme avec le mammouth. Et je peux vous dire un truc, c'est que ça arrache. Bon. T'es un langage pas très compréhensible. Comme il dit l'autre, c'était un homme de la montagne. Nous voilà arrivés à la première étape de cette journée sous la pluie. On a roulé pendant plus d'une heure et demie, mais bon, c'était super cool de pouvoir rouler avec toutes les caisses là qui sont derrière. Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan Performante, McLaren 720S, que des super caisses. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller un peu se réchauffer, hein, parce que ça pleut, ça pleut, ça pleut. Du coup, je vais vous inviter à découvrir le domaine Monthéron et le lunch, parce que Drive de Luxe, c'est pas que du roulage, c'est aussi des moments de partage, comme on aime,
D'ailleurs, c'est ce que j'aime partager sur ma chaîne. Mais c'est aussi des bons repas dans des beaux établissements. Comme l'établissement qui est juste derrière moi. Sur ce, je vous invite à découvrir avec moi le repas. Salut tout le monde! Salut, salut! Bon, bah nous voilà de retour. Ça y est, je me suis posé, on vient de terminer la première partie du repas, donc avant d'attaquer donc le dessert. Donc Drive Deluxe, c'est aussi de nous emmener dans des événements, dans des châteaux aussi beaux que celui-ci, c'est le château des Monthérons. On est à 13 km de Verdun, très exactement, dans un magnifique domaine d'un peu plus de 14 hectares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce château, en 1996, a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me retrouver tous mes petits copains pour pouvoir partager avec eux le dessert. Et ensuite, on reprendra la route pendant deux petites heures. Bon, nous voilà de retour, je suis désolé, je suis en mode foot à cagoule. Du coup, on vient de finir de manger. On va reprendre la route. On entend déjà les voitures se préparer. Mais en tout cas, on a eu un très 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 bon moment de partage, c'était super cool. On s'est vraiment vraiment régalé. Et du coup, on reprend la route pour aller au domaine Tattinger. C'est parti. Bienvenue! Merci! On a même des abonnés qui sont là, ça c'est trop la guerre! On vient d'arriver au domaine Tattinger parce que Drive Deluxe, c'est pas que du roulage, c'est pas que des restaurants, c'est aussi de la dégustation, puisque le thème de ce Drive Deluxe, c'est Champagne. Ça veut dire qu'on va aller visiter quelques domaines bien connus en Champagne, pour pouvoir justement passer un bon moment et se régaler. Et puis je vous invite à découvrir ça maintenant. Du coup, on se retrouve, on vient juste de sortir de chez Tattinger. Vous allez voir que les voitures viennent tous de sortir. On a quand même la chance d'avoir un beau plateau de véhicules. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour revenir. Tes dédicaces à deux visiteurs qui sont venus nous voir. Ouais, je vous invite merci, à nous mettre. Merci pour tout. Ouais, merci. Ils ont participé avec nous. Merci pour l'invitation. Ben, ils ont répondu à l'invitation sur Instagram. Je vous rappelle d'ailleurs, pour me suivre, c'est Jérémy Lovecar. Ils ont répondu à l'invitation qu'on a postée sur en story sur Instagram, ils sont venus avec nous et du coup ils ont participé. C'est énorme, merci bien, c'est énorme. Voilà, on a kiffé et le but c'est de kiffer ensemble. Voilà, du coup voilà, bien. Merci à toi frérot. Et puis apparemment à demain alors. À demain. Yes. Du coup regardez, on va terminer sur cette petite vue là, magnifique, en faisant attention de ne pas se faire écraser. Et puis maintenant l'incontournable, puisque quand on a de tels bolides, elles ont soif. Du coup, on va aller au pit stop et je vous emmène encore avec moi. Et nous voilà arrivés à la station service.
Et là, je peux te dire que, regarde, c'est plutôt mignon, non? Ouh là là! Bah, l'éternelle question quand on met de l'essence et qu'on roule avec ce genre de caisse, c'est qu'on se demande toujours combien ça coûte. Ça coûte beaucoup d'argent. Consommation moyenne, mon cher ami. Pardon? Consommation moyenne. Ça dépend. J'ai déjà fait des 8.8 au 100. 8.8? Quand j'ai traversé la Suisse, j'ai fait 8.8 sur 250 km. Ok, en gros, tu comptes. J'ai pris les photos pour le trouver. 8.8. Bon, bah voilà, pour ceux qui avaient une question. En roulage cruising au calme, 8.8. Autant te dire que même ma Clio, elle fait pas ça. Tenez, si vous voulez suivre ce monsieur, vous avez son Instagram qui est ici. Et d'ailleurs, prochainement, si vous le suivez sur Instagram, vous pourrez découvrir qu'il va être amené à changer de voiture. Pour une autre voiture du taureau. Et pas n'importe laquelle. 80 litres. 80. Waouh. En gros, le plein, t'es à presque 200 balles. Non, 65 litres. Ok. 105 euros. Oh là là. 41 litres. Mais t'étais à fond. T'en as encore plein d'essence. Bah écoute, je crois que j'ai battu mes records. C'est vrai? Ouais, je pense que j'ai fait 15 ou 16 litres de consommation. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Ah ouais? Non, non, maman. Ça va? Ah ouais, j'ai beaucoup. Pas, oui. Pas trop fatigué? Ça va? Ouais, t'as passé une bonne journée? Bah oui. Ouais. C'est bon. Trop, hein. C'est une belle journée. Là, il fait beau maintenant. Ouais, ouais, on a le temps. C'est toujours comme ça. Ça va, c'était pas trop dur sur la pluie? Non, ça allait. Ça allait. J'étais tigre, on va voir demain s'il y a des bulles carrées. Ah, des bulles carrées? Ah ouais, moi j'ai des bulles carrées. Vous allez apprendre à le connaître. Il a bu un peu de champagne, mais bon. Demain, il va aller chez Mouette et Chandon et il va nous faire des trucs. Et ouais, quand on drive avec l'équipe de Drive Deluxe, bah Deluxe, on aime les choses un peu classe, on aime les beaux hôtels. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un super établissement. Vous savez quoi? Je vous fais un petit montage vidéo pour découvrir ça. Allez, je vous emmène au château de Rilly, c'est parti. Poisson. 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 Casser la gueule. Mais un truc de ouf. Mais c'est trop bon. Mais comme ça. On aime la bonne bouffe, on aime les belles voitures, on aime partager, on aime rigoler. Et franchement, Paris réussi. Et vraiment, je tiens à dire que l'établissement qui a été choisi par Drive Deluxe, c'est du très très bon. Je voudrais juste vous présenter Jérémy. Donc Jérémy. Yes. Ok. Where are you come from? From Birmingham in England. Okay. Okay. Il vient d'Angleterre à Birmingham et il décide de me montrer sa voiture. Donc entre Jérémy, on va aller partager un moment de voiture. Parce que c'est aussi ça la passion. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. Alors, je tiens à vous dire, je ne sais absolument pas ce que je vais découvrir. Donc, on y va. So, this was the first new Z4 delivered in England in March this year. Ok. C'est la toute première BMW Z4 M40i qui a été livrée. She's is the first to deliver it to England. Wow. First customer. And this registration? Oh, GWW. Uh-huh. So that's Julie Woodhouse, my wife. Okay. We met when we were 19. Okay. And then Jeremy William Woodhouse. Awesome. You know, he has a YouTuber, a famous YouTuber in England. The name is Mr. GWW. Really? Yes.
Okay. That's really funny. Alors, la petite anecdote, je viens de rencontrer Jérémy, j'étais sur le point d'aller monter dans ma chambre et il m'a dit, on a commencé à partager voiture. Je lui ai dit que j'étais YouTuber, que j'avais des voitures, donc je lui ai présenté ma voiture. I explained what we do just before. Et il m'a dit simplement que il était le propriétaire de cette magnifique Z4 et c'est le premier, the first owner in England. C'est le premier propriétaire en Angleterre de cette très très belle Z4 M46, les amis. Et en plus, il a une plaque qui fera une dédicace à notre ami YouTuber, JWW. Voilà, Drive Deluxe, c'est ça aussi. On se retrouve dans des établissements aussi beaux que celui-ci et en même temps, bah, on peut rencontrer des personnalités, des personnes, pardon, de différents univers et de pouvoir partager ensemble. C'est ça la passion de l'automobile, elle n'a pas de frontières. Sur ce, les amis, vous savez quoi? Je vais terminer mon vlog ici même. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Et puis encore, bah, n'hésitez pas à me partager votre avis sur cette vidéo en me mettant bah, simplement votre avis en commentaire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous le savez, et ça m'encourage. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée à tous. Au revoir. On terminera les images sur cette magnifique Z4. La première d'Angleterre. La première d'Angleterre.